5 et 9 magnifiques candidats pour l'élection de Miss Montigny 2005. L'histoire d'une jeune fille qui va participer à un concours de Miss pour avoir des sous pour pouvoir ouvrir son cabinet d'esthéticienne et qui est vivement poussée par sa mère et un peu trop vivement. Donc c'est sur les relations mère-fille avec trop plein d'amour qui finit par étouffer. J'avais très envie de me mettre un maillot de bain devant tous ces gens. Ce qui m'a poussée, c'était plus relation mère-fille. Depuis qu'il y a des mères et des fils, le problème existe, plus ou moins fort. Et voilà, et là, l'amour qui vire à la haine, qui peut virer à la haine parfois, me plaisait. C'est bien, vous vous y mettez. Ça a déjà commencé. C'est une pointure, elle a plein d'expérience et elle fait assez maman, Ariane Ascaride, je trouve. Et, enfin, elle a comme ça une confiance et elle donne confiance elle fait confiance aussi. Et donc, ça met aussi dans cette relation-là. Et comme moi, je suis une petite jeune et dans le métier et elle a déjà un petit peu plus de bouteilles, et ben peut-être que, je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, voilà, il y avait cette position déjà au départ. Chérie, quand même, non ? Allez ! Il y a le côté un peu kitsch et décalé dans le film qui moi, me plaît. Chanter Pretty Woman avec une chemise en croco. Et souvent, les films belges, ils se prennent pas au sérieux. Enfin, ils racontent des choses sans se prendre au sérieux. Et ça. Ah, voilà, c'est bien. Retraite sa tête, 5, 6, 7, 8, 1, 2, à Miami, là, toujours en retard. Allez, allez,